Bonjour, donc je suis Florence Escaravage et j'aborde ici la première question très importante à se poser pour trouver l'amour. C'est la suivante, suis-je libérée du passé ? En clair, c'est est-ce que mon passé n'entrave pas mon avenir amoureux ? Alors pourquoi est-il important de répondre à cette question ? Il est important de répondre à ces questions parce qu'en fait, pour vivre une belle histoire d'amour, il faut l'approcher avec un cœur tout neuf. Un cœur tout neuf, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder dans le rétroviseur de deux manières. La première, c'est de travailler sur son environnement familial, ses mythes familiaux, les croyances qui ont pu être enseignées quand on était plus jeune, afin de comprendre si l'une d'entre elles nous freine ou non en amour. J'ai remarqué en effet en coaching souvent des croyances très limitantes qui nous empêchent de rencontrer l'homme ou la femme qui est fait pour nous. Le deuxième regard qu'il faut jeter dans le rétroviseur, c'est le regard sur ses ex. En effet, est-ce que certaines histoires finalement un peu trop chargées, un peu trop lourdes, ne nous amènent pas à faire des choix qui ne sont pas constructifs et bons pour nous? Ce que je vous propose donc dans la méthode Florence, ce sont quelques exercices simples qui vous permettent en fait de vous libérer de ce passé et de vous faire aimer librement, dégagé de toutes ces histoires un petit peu limitante.